ce truc dans le ciel, c'est un avion ? Un avion, je ne crois pas. Regarde, ces réacteurs sont la marque distinctive des oiseaux à moteur. Une espèce animale introduite par l'homme et qui transporte les humains de part et d'autre du globe. Et derrière, ce que tu vois, ce ne sont pas des satellites, mais des étoiles artificielles qu'on a mises en orbite. Elles s'éteindront un jour, la nuit redeviendra noire. C'est à cause de la pollution qu'on peut pas toutes les voir ? Ce n'est pas de la pollution, mais les gens ne savent pas que c'est une couverture pour que Paris n'ait pas froid. Le temps y est pluvieux, ce n'est pas de la pluie d'ailleurs, ce sont les larmes des anges et il pleut quand il pleut. Et lui là-bas qui parle tout seul, il est fou ? Ce n'est pas un fou, c'est un poète et ils sont rares de nos jours. Ceux qui récitent le monde avec leur langage, tu vois, ces sans-abri ont une maison dans leur bagage. À ton poignet, c'est une montre ? Alors ça, c'est pas une montre, tu sais. C'est un cadran qui me sert à aller dans le passé. Le passé ? Je parcours les époques et parfois je m'arrête dire bonjour à mon papa qui n'est plus là. Il est mort ton papa ? Non, personne ne meurt mon amour. Les gens s'endorment simplement pour toujours. Dans la mémoire des dieux, chacun reste vivant. Pourquoi t'as un fauteuil roulant ? Mon enfant, ce n'est pas un fauteuil, c'est une carapace avec elle je peux même aller dans l'espace. Si t'es sage, promis, tu feras fortune quand je te ramènerai ta première pierre de lune. Alors pourquoi y a la guerre ? Ah non, tu te trompes de piste, ne confonds pas la guerre et un feu d'artifice. Un tremblement de terre peut détruire sans raison. Pour notre belle planète, ça n'est qu'un frisson. Blanche là, c'est une usine ? Ça n'est pas une usine, ni une chaîne de montage. C'est la machine qui sert à fabriquer des nuages. Ce puits en plein désert, ça n'est pas un forage. C'est une piqûre pour la terre qui est malade. Et de ces grands tuyaux ne coule aucun pétrole. C'est le sang de la planète chargé d'anticorps, tu sais. La tour Eiffel n'est pas une tour de métal. C'est un escalier pour se rapprocher des étoiles. Et eux qui sont assis, ils sont dans un tribunal ? Non, c'est une pièce de théâtre. Aucun juge dans la salle ce soir. L'accusé dormira dans son lit. Et ces gens alignés, ils travaillent pour vivre. Personne n'y est forcé, c'est une chorégraphie. Une danse que l'on répète pour embellir la vie. Ne crois pas tout ce qu'on dit. Écoute ton cœur, ne vois que ce que tu veux voir. Regarde ailleurs, mon ange. Pas menti, hein.